Nous allons présenter plusieurs vidéos sur les matrices. Pour cette première, on va voir la définition générale d'une matrice d'ordre Mn, avec M et N des entiers naturels. Après, on va présenter les matrices particulières suivantes: matrice ligne, matrice colonne, matrice carré, matrice triangulaire supérieure, matrice triangulaire inférieure et matrice diagonale, soit M et N deux entiers naturels. Une matrice numérique d'ordre M, N est un tableau de nombres réels situé sur M fois N positions de M ligne et N colonnes. On n'indexe pas A, indice I, indice J, l'élément situé sur la i-ième ligne et la j-ième colonne. Avec cette convention, on détermine tous les éléments de la matrice. Par exemple, si on s'intéresse à la première ligne, l'élément première ligne, première colonne est A, indice 1, 1. L'élément première ligne, j-ième colonne, est A, indice 1j. L'élément première ligne, n-ième colonne, est A, indice 1n. Et de façon générale, si on s'intéresse à la i-ième ligne, l'élément i-ième ligne, première colonne, est A, indice i1. L'élément i-ième ligne, j-ième colonne, est A indice IJ, l'élément première IM ligne, nème colonne, et A indice IN. Et finalement, pour la MM ligne, l'élément MM ligne, première colonne, et A indice M1. L'élément MM ligne, JM colonne, et A indice MJ. Et finalement, l'élément m-ième ligne, n-ième colonne est A indice Mn. On note cette matrice de façon générale par une grande lettre, par exemple ici A, et de façon beaucoup plus expressive. A il est égal, entre parenthèses, le terme AIJ avec I, l'indice des lignes compris entre 1 et M, et J, l'indice des colonnes, compris entre 1 et N. A, indice IJ, s'appelle le terme général de la matrice A. L'ensemble des matrices de M ligne et N colonnes se note généralement par un grand M, indice, petit m, virgule, petit n. Exemple, soit A. La matrice est égale pour les lignes moins 1, 4, 2, moins 3 et 0, 5. Cette matrice, il appartient à M 3, 2, c'est-à-dire 3 lignes, 2 colonnes. Si on pose A, il est égal, entre parenthèses, A et J avec I compris entre 1 et 3 et J compris entre 1 et 2. On a A indice 1, 1, il est égal à moins 1. A indice 1, 2, il est égal à 4. A indice 2, 1 est égal à 2. A indice 2, 2, il est égal à moins 3. A indice 3, 1, il est égal à 0. Et finalement, A indice 3, 2 est égal à 5. Deuxièmement, on va passer en revue certaines matrices particulières. La matrice qui contient une seule ligne, B, il est égal à 1, 1, 1, 1, 2, etc., 1, n. C'est une matrice d'ordre 1, n
On dit aussi que c'est une matrice ligne d'ordre n. La matrice C qui contient une seule colonne. C est égal à A1, 1, A2, 1, etc. à M1. C'est une matrice d'ordre M1. On dit aussi que c'est une matrice colonne d'ordre M. La matrice D qui a N lignes et N colonnes. Le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. C'est une matrice d'ordre NN. On dit aussi que c'est une matrice carrée d'ordre N. La suite A11, A22, etc. ANN s'appelle la diagonale principale au pivot de D. Si les termes de D au-dessous de la diagonale principale sont nuls, D est dite matrice triangulaire supérieure. Si les termes de D au-dessus de la diagonale principale sont nuls, D est dite matrice triangulaire inférieure. Si D est à la fois triangulaire supérieur et inférieur, D est dite alors matrice diagonale.